est en train de migrer vers une autre émission qui va parler beaucoup plus de culture dans les jeux vidéo. Alors ça me tient vraiment occupé, mais là pour là, on est ici pour un autre épisode du Deep Podcast. Et qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? J'ai un bloc de Action RPG, on va aller ensuite à un bloc de Game Boy classique, pour aller ensuite à un bloc de la compagnie Hudson Soft qui fait des vraiment bons jeux. Après ça, on va aller voir un bloc spécial Super Smash Bros, Wii U et 3DS. Alors, pour l'instant, on est en train d'entendre une chanson de Galaxy Fight pour le Neo Geo. Alors, on écoute cette chanson et on s'en va au premier bloc Action RPG. C'est parti, le D-Podcast épisode 13, tabarnak! We'll be right back.
Hey, salut tout le monde! Salut! Yo, bienvenue au podcast C'est pas pour les loups, live sur Twitch. On salue aussi le monde sur SoundCloud par après. Ben, pour ceux-là qui nous écoutent sur SoundCloud, bonsoir. Oh yeah! Ouais, okay. Parce qu'on essaie de faire des loups. Fait que là, on a suivi vos recommandations. Oui. On a personne sur Twitch. Donc aujourd'hui, Krim, on a deux blocs encore. On va parler, je pense qu'on débute avec la Golden Era. Je pense qu'on devrait dire qu'est-ce que c'est la Golden Era. Ouais, on va expliquer. Ouais. La Golden Era dans le jeu vidéo, pour nous, c'est la meilleure partie genre d'une console ou d'une époque. On entendait ça, les Golden Era. Dans le monde de la musique, là, c'est qu'on prendra pour le rock'n'roll, c'est 68 à 72, des trucs de même. Donc, moi, je trouvais ça intéressant peut-être de faire ça pour les jeux vidéo. Mais là, ça peut toucher à plusieurs consoles. C'est pas nécessairement bon, la Golden Era, c'est le Super Nintendo. Exact. Ouais, ça peut toucher à tout. Tu sais, mettons qu'on pourrait se mettre une limite de 5 ans, 4 ans. Ben, mettons une période maximal, mettons, la Play 2 serait pas mal. Moi je pense qu'on peut vraiment dire n'importe quoi pour vrai. Moi je pense que tu trouves qu'une console c'est une Golden Era. Moi j'aurais voulu parler, mettons, la Golden Era des RPG, mais je parlerai pas de ça, j'ai d'autres choses parce que j'ai été triggeré par quelqu'un. D'accord. Bref, on garde ça. Puis après ça, on va faire c'est quoi donc les moments what the fuck dans les jeux vidéo. Traumatisant what the fuck. Okay. Voyez comment je suis au courant. Hein? C'est la première fois que je l'entends. Traumatisme d'enfance. Demande à tout le monde si l'audio est bon. Est-ce qu'on entend la toune? Est-ce qu'on nous entend bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que ça a l'air, moi, à date? Gilles et Jonas. Je peux-tu vérifier? Faudrait que je puisse vérifier avec. Il y a Dimitricus aussi. Bonjour, Dimitricus. Il y a vraiment bon. Bonsoir, vraiment bon. Ça, c'est un enfant de la réforme qui avait Dimitrios dans ses livres, je pense. Je sais pas. Moi, je dis qu'on entend très bien de mon côté. Fait que. On pourrait partir ça. On pourrait partir ça. Juste avant, j'aimerais pouvoir spécifier qu'on va avoir des soundtracks. Je voudrais parler de la soundtrack du podcast de la semaine. Il va y avoir 3 soundtracks pendant que le podcast va runner. Merci, je m'en vais peut-être mettre ça sur mute. Donc, on va avoir premièrement F-Zero OSS. Ça, c'est sûr qu'on l'entend complet. Bonsoir, Matt Haché. Bonsoir. Bonsoir. Après ça, on va avoir Mario 64. Ça, c'est sûr qu'elle va jouer aussi. Puis, si on a le temps, si ça s'étire, on a pour 1h45 de musique. Puis, à la fin, ça va être. Ça durera pas, c'est pour être sûr. Puis, on va avoir. Castlevania 4, mais on se rendra sûrement pas. Fait que je vais pas sûrement le mettre dans un autre podcast. J'aimerais mentionner, vous pouvez comme nous parler en fin de compte en même temps, mais on va peut-être se réserver comme une sorte de période de questions à la fin. Ouais. Si vous avez justement là, des commentaires, on va tout vous les redire en fin de compte, direct live. On aime bien ça justement que tout le monde le sache. Moi, je pense qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est au moins regarder les commentaires après chaque personne, mais pas élaborer. Puis là, à la fin, mettons, de chaque bloc, là, on peut élaborer un peu plus, dépendant du temps. On rentre dans le musical break, puis that's it, c'est ça. Oui. That's it. Fait que, Krim, on part de ça, la gang. On part de ça. Ben, moi, je dirais, vu que je viens de parler beaucoup, on pourrait partir de ce côté-là. C'est moi qui brise. Pourquoi que je parle tout le temps sans arrêt? Ouais, mais je peux la faire au pire, là. Parle-nous ça. Ouais, let's go. J'avais suggéré le sujet, fait que je me suis dit, ben, on va le partir aussi. Parle-nous ça. Fait la Golden Era pour moi, c'est sûr, là. Le monde commence à le connaître, j'imagine. Ça commence. Je parle de 3 jeux à peu près dans ma vie, là. C'est ça, moi ma Golden Era, ça fait 94 à 97. C'est précis. C'est quand même précis. C'est précis. Là-dedans, il y a 2 moments là, qui sont importants. Là. Je parlerai peut-être de Ogre Battle ou Super Nin. Okay. C'est que quand ça a ouvert là, okay. Une espèce de jeu expérimental, à mon avis, à moi. Jusqu'à Final Fantasy VII. Ça, à mon avis, on est comme dans le peak là, de tout ce genre de jeu-là. Okay. Fait que là, tout ce que tu fais de 94 à 97. À mon avis, c'est excellent. Là. Puis même des jeux sous-évalués ou des jeux que le monde ne connaisse pas, t'as intérêt à jouer à un jeu dans ces années-là si tu veux tomber sur un bon jeu. Parce que t'as plus de chances à mon record à moi de tomber sur un bon jeu. Okay. J'ai fait le move justement dernièrement avec Albert Odyssey. Là. Oh tabarnak, c'est bon ça, je vais me mettre un peu plus dans le plan. C'est ça là. Excellent.
Moi, je me suis pogné, j'ai plus peur à cette heure d'acheter des jeux. Là, qui... Mais pour faire un contexte, Albert Odyssey, Sega Saturn. C'est ça. Ouais, c'est un genre de RPG au Sega Saturn. Jeu qui vaut quand même assez cher, mais qui vaut, il paraît, selon. Ouais, il vaut son prix. C'est ça. C'est quoi, c'est ça. C'est un jeu de cette époque-là. On a tout le style artistique du temps, mais en plus, c'est beau. Soundtrack à fond. Là. Fait que là, t'arrives là-dessus. Écoute, tu connais tous les mots du jeu d'RPG que tu as joué au Super Nintendo. Je t'ai rendu que je consommais de la. Je faisais appeler ça du gaming. Junkie gaming un peu là, okay. Je vois n'importe quoi là, je fais Tecmo Secret of the Star, j'aimais ça là. Ouais, c'est correct, c'est ordinaire un petit peu. Fait que là, quand tu sais après ça qu'il y a des RPG qui ont passé sous le radar plus tard, t'arrives avec un Albert Odyssey, tu vois ça, t'as revis là un peu ton enfance, t'as reviens là dans un monde là, une zone de confort que j'appelle, tu joues à ça là puis tu te sens vraiment dans l'époque. Absolument. Fait que c'est pour ça, 94-97. Final Fantasy VII, c'est comme après ça. C'est après ça, puis ben, 9. Quoi, what, le 9, c'est sûr qu'il y a toujours des exemples qui vont après ça revenir, là, mais on n'a plus là, l'espèce d'essence de ces années-là. Là. Ouais, okay. C'est vrai. C'est bon. Ça, c'est très vrai. Il y a Mathieu qui nous dit en espérant que Earthbound ne soit pas dans la Golden Era. Fait qu'on présume que c'est qui les Earthbound haters. Ça doit être Matt. Non, mais c'est Matt. En plus, c'est à cause de lui que j'ai changé mon sujet. Mais non, Earthbound, c'est pas pour moi dans la Golden Era. Là. Ben, mais techniquement, il était fait en 94. Ben, pour toi, oui, mais pas pour moi. Personnellement, c'est pas mon préféré. Ça. Exactement, mais je peux-tu me permettre, c'est pour ça que tu tripes sur le Saturn au fond, là? C'est peut-être c'est dans ta Golden Era, puis ouais, c'est pour ça que c'est pas n'importe quoi. J'ai pas fait le move encore du Jaguar, là, mais je pense pas faire non. Non, fais pas le move du Jaguar, tu ne devrais point. Bonsoir, c'est Luc Duguay. Bonsoir à Sifred aussi. Bonsoir. Ouais, fait que crime, c'est pas pire, j'aime bien ça, c'est bien. On apprend. Fait que toi? Moi, ma Golden Era. Je m'en vais vous ramener dans le temps. On est en 1997. Je viens d'avoir mon Nintendo 64 et d'ailleurs, tout le monde en a un. Tout le monde a un Nintendo 64. Oui, dans mon âge, ma génération, ça a vraiment pogné là, le Nintendo 64. Ouais. C'était de quoi d'assez débile. Absolument. Fait que moi et tous mes amis, on se faisait genre des parties le vendredi soir où on amenait chacun notre manette puis qu'on jouait là, du gros multiplayer. C'était GoldenEye. Exactement, on jouait à GoldenEye, on jouait à Perfect Dark, on jouait beaucoup à Donkey Kong 64 à 4. On Donkey Kong jouait, ouais. 64 à 4. Ouais, il y avait un mode où ce qu'on shootait dessus. M'en rappelle, on jouait à ça beaucoup. Ça, c'est obscur. Ouais, on jouait beaucoup à ça. Hey, Pokémon Stadium. Ça pour moi, là, c'est toute la Golden Era. Moi, personnellement, je vous dis, c'est ma nostalgie. Mais c'est vraiment le moment que dans ma vie je me suis fait le plus de fun avec mes chums. Puis la console que j'ai vraiment le plus aimée, là, c'est vraiment mon 64. Puis les Mario Party, tu touches ça? Mario Party, je voulais en rentrer. Justement, on fait encore ça. Je voulais rentrer dans le sujet. Je veux dire, on fait encore ça tous les dimanches. OK. Ouais, ici. Il y a une ligue de Mario Party. Ouais, tous les dimanches, on joue à Mario Party. On a nos victoires décrites. Il y a Matt qui dit Burke le Nintendo 64. Bon, puis il y a bon. Jonas qui dit qu'il n'y a jamais eu de 64. Bon, c'est ça. C'est à cause que vous êtes trop vieux. Mais c'est ça, moi, j'ai vraiment trippé. Tout le monde avait un, c'est ça l'affaire. Le monde n'avait pas encore tant que ça de PlayStation. Ça a pris plus de temps que le Play Catch On. Mais quand il a catché, ça a catché en sacrement. Là. En tout cas, pour moi, je parle pas dans les ventes. Là. Je parle chez nous, dans mon petit coin. Il y avait moins de monde qui avait des PlayStation. Puis là, après Final Fantasy VII, là les PlayStation se sont mis à rentrer chez tout le monde. Mais je pense que tout c'était le public cible là, qu'on entend souvent parler que le 64, c'était c'est mon âge. Pour des plus jeunes. J'étais un plus jeune, j'étais dans la génération. Ils m'ont pogné, ils m'ont eu. Puis Pokémon Stadium, avez-vous joué un peu comment c'est cool? Non. Si que c'est bon. Désolé le sacre encore, mais là, ça n'en vaut. Hein. Parce que ce jeu-là, là, ouf. Il y avait mon ami qui l'avait, Pokémon Stadium. Mais... Il est tellement bon. Écoute. Vas-y. Ben toi, en fin de compte, ta Golden Era est reliée un petit peu à la nostalgie. Tu beaucoup. Pas, moi, tout ce que je fais pas mal est relié à la nostalgie. Vous allez apprendre ça au courant des podcasts. Je suis un gars qui aime beaucoup ça. Nostalgic goggles. Personnellement, c'est ça. Moi, c'est tout ce qui est 64. Je me souviens, hey, Pokémon Stadium, on amenait nos petits Game Boy. Puis nos cassettes, on les mettait dans le pack en arrière. On mettait nos Pokémon dans Pokémon Stadium. On se battait. Puis après ça, on faisait des mini-games. Penses-tu que tu pourrais avoir le même plaisir que tu as eu avec ces jeux-là aujourd'hui? Ben oui, encore. Ben oui. Pokémon Stadium, on joue encore beaucoup. Il y a vraiment bon qui dit un point très intéressant qui trouve que l'ère Play 1
puis Nintendo 64 a mal vieilli. Je sais pas qu'est-ce que vous en dites. Ben, ça dépend des graphiques. C'est sûr, si t'arrives avec des sprites comme dans Suikoden 1, des affaires dans le même, ou des jeux de sport, puis des fous. Le 3D était rough. On va dire qu'ils ont roué ses coins, le 3D était rough. 64 a moins mal vieilli que le Play 1. Le 3D du Play 1 est dégueulasse. On va se le dire. Ben, Play 1 est plus cool parce qu'il y a plus de capacité, la musique, les jeux sont plus en profondeur. Mais, je veux dire, le 64, en termes de polygone, il touche. Il touche. Ben, c'est plus beau, c'est surtout les jeux avec l'expansion pack, il y en a qui ont vraiment pas mal vieilli. Là. Mais moi, je regarde la quantité. Pour moi, j'ai plus été un gars de Play 1 que de 64. Ben, voyons, ça m'étonne. Que je trouve que. Quand on regarde qu'est-ce que la librairie du 64 avait à offrir versus celle du Play 1, le 64 a mal vieilli. Ouais. Vraiment, ouais. Là, j'ai essayé de rejouer à GoldenEye. Justement, on a fait un Twitch de GoldenEye. Ça nous a pris une heure à nous dégourdir les pouces, puis tu sais, de reprendre à jouer old school. T'as-tu des mots, tu as des malaises à jouer? Ah, c'était. Des malaises? Non, pas de malaise, mais tu sais, c'était dur à jouer. Okay. C'était pas user-friendly comme on l'a eu dans le temps. Dans le temps, le vieux 3D, moi, je sais que 64, j'ai déjà eu des malaises à jouer à ça. Bon! Okay. Avoir des hauts cœurs, là, vraiment. Là, ben, il y a Matt, en fin de compte, qui parle un peu, justement, tu sais, que son air du multijoueur, c'était plus le SNES avec Bomberman. Oh! WWF Raw, c'était très cool. Ah, ouais. Slam Master, ça aussi, c'était cool. C'était très cool. Ben, je pense que c'est ça, le 64, voulait se rentrer dans cet esprit-là aussi. Exactement, c'est ça. Il y a Jonas qui dit qu'il déteste GoldenEye en cause de ça. Bon, qu'il filait pas bien. Gang de haters! Ah, c'est pas il peut avoir du malaise. J'ai jamais eu mal au cœur en jouant au 64. C'est quoi ça? C'est là qu'il vendait des gravats. Des gravats. Bonsoir à WonderK88. Mr. Wonder. Bonsoir. Salut mon Wonder. Mais non, c'est intéressant. T'apportes des points. Intéressant. Je pense qu'on n'a pas, la même vision, je pense, de qu'est-ce qu'on parle présentement. Je pense que je vais commencer. Oui, ben c'est vrai, hein, justement, on parle beaucoup en déblatère. Fais ton point, mon cher Yvon. Si j'ai, mettons, on vit l'âge ultime des jeux vidéo, c'est la Nintendo. Nintendo Entertainment System. Je parle vraiment là, de la console d'un cassette. Toi, tu y vas objectivement, là, dans le fond, que je comprends bien. Un peu comme ça, oui. Pourquoi? Parce que grâce à ça, Nintendo a vraiment fait revivre l'industrie du jeu vidéo. Ça, je peux pas argumenter avec ça. Tu sais, l'industrie était morte. Le crash de 1983 avec Atari. Exactement. Fait que Atari était mort. Nintendo a fait revivre l'industrie 2 ans après. Puis, c'était pas juste une console qui a fait revivre l'industrie. C'était une console de qualité. Ouais, On dira ce qu'on voudra, mais tu sais, la Nintendo a offert tellement. Tu sais, c'est comme un peu avec les Vita. Tu sais, ça l'a créé le chemin. Ça l'a créé plein de styles. Il y a plein de compagnies qui se sont créées grâce à la Nintendo. Moi, je le vois plus comme ça. Tu sais, oui, la nostalgie me parle parce que ma console préférée reste la NES. OK. Mais. Toi, tu y vas objectivement. Ouais, mais on respecte ça, c'est pour ça qu'on met les points. Ouais, j'essaie d'y aller objectivement aussi, tu sais. Puis, c'est pas en cause qu'il y avait juste deux manettes qu'on pouvait pas jouer, mes petits joueurs. Tu sais, il y avait le pad à quatre pattes, mais tu sais, il y en avait tellement pas ben qui jouaient avec ça. Non. Oui, il y a eu des shit sur cette console-là. Mais c'était pas si pire que ça. Il y en a dans toutes les consoles, je veux pas. C'était pas si tant pire que ça. Mais moi, je pense que j'ai plus une vue objective sur le fait de. Si on parle vraiment de l'époque d'or des jeux vidéo, c'est la NES. C'est vrai, puis toute la librairie. Ah ouais, la librairie est immense, puis tu sais, qui a pas un NES chez eux à la maison? Si vous l'avez pas, c'est que vous l'avez vendu. Mais vous n'avez eu un, tu sais. Ça marche encore. Ouais, moi il est encore là, puis il fonctionne. Ça, c'est un point j'aimerais ça apporter, c'est que ça marche encore. Hein? Tu sais, c'est des consoles qui touffent, c'est pas un Play 3 de genre 3. C'est plat, mais Xbox ben aussi. Ouais, Xbox 360 est pas mal payé, là, on s'entend. Ouais, avec le Red Ring of Death. Ouais, ça affreux. Ouais. Mais toi, c'est l'objectivité. Puis... Moi, je vois plus objectif, puis. Je pense à tous les punch-out, les contrats, les Tortues Ninja,
sais, les Final Fantasy de ce jour, ça là, tu sais, ça l'a ouvert la. Mais Nintendo contrôlait aussi beaucoup leurs jeux. Oui, un peu trop, ça. Comme ben, on est en ça. Crise, les third party developers, il y en a qui est en crise. Oui, mais en même temps, crime, je veux dire, ils ont quand même été vastes, puis ça l'a tellement apporté de classiques. Ouais. C'est vrai. Oh, mais je pense que c'est surtout qui a fait que la console est restée classique. C'est le contrôle qu'il y avait sur le marché. Il n'y avait pas n'importe quelle merde. L'Atari, c'était dégueulasse. Là, tous les jeux qui étaient... Exactement. Puis malheureusement, Nintendo a fait ça plus tard avec la Wii. Puis on sait ce que ça l'a fait. Ah, ouais. C'était pas très... La Wii, c'est la même mécanique qu'ils ont. Non, mais dans le sens que y a eu Nintendo a dit « Tu veux faire un jeu à porte-clés? » On va dire « Oui. » Pour la Wii, ah ouais, n'importe quoi. Il y a tellement eu de shit, ça, oui. Mais tellement que non, c'est ça là. Mais attendez, je pense que Gilles a une question. Je reculais spot de lumière un peu, mais si je passe devant la caméra. Moi j'aime bien la console de LG. Plus d'allure. La console de quoi? Il y a Gilles qui nous dit que sa console préférée c'est le VirtualBox. Ouais. Sûrement, oui, t'es même pas capable de jouer plus que 15 minutes avec ça. Ouais. Je l'ai essayé dans une convention, là, puis j'ai joué 20 minutes. Non, c'est affreux. J'avais mal à la tête. Ça, ça donne des nausées. Ouais, mais pas c'est le 64. Dans... Ça. Vas-tu, ils ont fait le Virtual Boy puis le 64. Hey, où la roche? Ça va nous prendre la roche en forme. J'aimais ça faire des jeux qui donnaient mal au cœur. Ouais, ouais. Je veux la roche. Mais non, c'est ça. Ok, mais c'était mon point que je voulais apporter vraiment plus objectif. Mais je voudrais bon, juste une affaire aussi là. Moi je traite un peu RPG. Game Boy Advance, très bonne librairie d'RPG qui s'apparente à lui du SNES. Ça c'est. C'est sous-évalué, ça, à mon avis. Puis, c'est pas un Game Boy Player avec un GameCube, là, c'est la meilleure affaire que vous pouvez faire. Là. Puis, pas trop dispendieux non plus. Ah, c'est le Game Boy Advance, moi, j'ai découvert un jeu sur Game Boy Advance que j'avais jamais joué, puis j'aurais dû jouer à ça, ça fait des années. Golden Sun? Non, je l'ai par contre. Le Mario Kart. Mario Kart. Ouais, il est bon. Mario Kart. ADS aussi, c'est bon. Je le mettrais dans mon top 3 des meilleurs Mario Kart. Ah, ouais. Solide là. Non. T'as lui du Spinal, lui du 64, puis t'as lui du Game Boy Advance. Ah ouais. Ah c'est solide. En plus, je l'ai, j'ai pas joué tant que ça. Ah, jouer à ça, c'est la bombe. C'est intéressant, moi je vais le voir. Nintendo 64 égale component de shit, manette de merde. Bon, c'est qui ça encore, Matt là? Oh, il y a Gilles qui dit qu'il est d'accord avec Mick, avec justement Golden Sun. Ouais. C'est bon. Les Fire Emblem aussi. Ils ont fait des remakes beaucoup aussi. Là, j'ai des finales, Breath of Fire, des trucs de rien. Ouais. Ah, le Game Boy Advance, il y a aussi des Shining Force là-dessus, dans Shining Force. Tactics Ogre. C'est impressionnant que tu peux avoir Tactics Ogre, connaissez vous ça, guys? C'est sur PSP. C'est oui aussi, c'est comme Ogre Battle, c'est la même compagnie dans le fond, mais c'est plus tactique à la place de Ogre Battle, c'est semi-tactique. Tu te mets dans les champs, parce que Tacticog, c'est vraiment pleinement tactique, puis Chris, c'est good. D'autres questions, guys, avant qu'on shift? On a-tu assez de temps pour un bloc? Gilles qui dit, genre, il parle de Final Fantasy Tactique. Ben oui. Quel est votre Golden Era, vraiment? Ouais, votre, personnellement, on va prendre le temps de lire un peu de comments avant d'aller à la pause. C'est le temps, là, parce que justement, on est là-dessus. On est là-dessus, on vous écoute. On aime bien ça, les commentaires en même temps. Mais sinon, tu sais, vous avez apporté des bons points. La Super Nintendo, on se le cachera pas, c'est une console merveilleuse, vous avez tout ce qui est des RPG. Mais tu sais, il n'y avait pas eu ces RPG. Ça l'a ouvert. Il y a Gilles qui parle de la SNES avec Chrono Trigger. Ben là, c'est sûr, bon, Chrono Trigger. Ah, ça, c'est un fan. C'est un toqué, sûrement. sinon, tu sais, il y avait toutes les beat'em up. C'est comme la suite aux beat'em up. Ben justement, Final Fight. Puis j'en passe plein d'autres. Final Fight, c'était meilleur à l'arcade, on peut dire Beaten Kato sur GameCube. Oh, c'est bon, Beaten Kato! Hey, Chris! Tu connais pas ça? Ça, c'est excellent. C'est qui a dit ça que je donne mon thumbs up? C'est Jonas46. Jonas, thumbs up. Vraiment bon jeu. Sous-estimé comme jeu. Overlook, même. C'est un très bon jeu que le monde n'a pas assez aimé. C'est quoi le genre de ce jeu-là? Là? C'est pas trop, là. C'est... God of War. Je pense pas qu'on a joué à God of War sur SNES. Faudrait que je rajoute une petite affaire avec Beaten Kata. Sinon, il y avait un autre jeu que j'aimais au GameCube, un autre RPG. Peut-être que Jonas va pouvoir. Non, pas trop un RPG, c'est plus Survival Horror. Ouais, mais RPG, là, c'était Lost Kingdom.
Genre ouais, RPG ben de ouais. cartes. Ouais. Vraiment cool au GameCube. Fait que props à deux RPG Overlook un peu. Ok. On va. Mais non, tu sais, ça a l'air beaucoup vers le. Pour moi, on a des fans de Super Nin ici, d'asseoir. Ben voyons, nos chiffres. Tu sais que. Ben, il y a Jonas qui parle d'Eternal Darkness, justement, un peu de GameCube. Ça me surprend. Ça. C'est broken, ça, ce jeu-là. C'est bon, mais aussitôt que tu pognes la magie forte, tu peux briser à travers le jeu, c'est broken. Aussitôt que tu te mets à transmuter tes magies un peu. Ah, il y a vraiment bon qui dit, justement, avec la distribution online, il y a tellement de jeux qui sortent. Tirait pas aujourd'hui, c'est vrai aussi. Tu sais, puis le monde découvre des jeux qu'on n'a jamais joué, on ouais, voit. Là, c'est vrai. Ça, c'est intéressant. Ouais, 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 exactement. Exactement. Mais non, tu sais, c'est très mitigé. Là, chaque personne, mettons qu'on parlerait à un kid de 10 ans aujourd'hui. Ben oui. Tu sais, pensez-vous de sa Golden Era, ça serait du Super Nintendo. Ben non, ben jamais dans 100 ans. C'est ça. Jamais dans 100 ans. Tu sais, malheureusement. C'est ça, c'est subjectif. Oh oui. C'est ça que j'aimais de ces questions-là. Mais... moi, je pouvais répondre avec mes Nostalgia Goggles. Toi, tu pouvais répondre ouais. objectivement. Tu dois... moi, j'avais pogné ça. C'était un bonhomme au bar qui m'avait dit qu'après le Zeppelin 4, qu'il n'y a plus rien de bon que c'est fait dans la musique. Là, c'est moi, bon, je suis comme ça. Un grincheux un peu qui ouais. dit qu'après Final Fantasy 7, il n'y a plus rien de bon. Il n'y a rien de bon. Ok. C'est bon. C'est bon. Ok. Le 7, au moins, tu dis qu'il est bon. Tu sais, moi, je. T'sais, j'ai continué puis je pourrais te prouver le contraire, mais jamais que je vais dire que le récent est meilleur que le point. Wow. Jamais dans 100 ans. Ça c'est non, c'est non possible. On va rester réaliste là. C'est mais non possible. J'aurais plein d'exemples que je pourrais te prouver qu'il y a quand même eu du bon sur tout. Ouais, oui, ben oui. Oui, il y a Skyrim. Ah, il y a les nouveaux Zelda. Ah, il y a plein, on pourrait s'en aller là-dedans. Ouais. Non, mais c'est sûr qu'il y en a des bons jeux, on est un petit peu dur, surtout moi. Ouais. Et là, il y a le nouveau Shenmue qui sort, que je vais m'acheter un Play 4 exprès pour ça, l'été prochain. Fait que, oui, je vais jouer à des nouveaux jeux, Shenmue, ah, for President. Il y a vraiment beau qui dit justement que les indie games peuvent sauver la face des jeux vidéo de nos jours. C'est vrai, c'est vrai. Ah ouais? Moi, personnellement, vous voyez, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais ça, je pense, on va le mettre dans notre liste de sujets sur les indie games. Les indie games d'aujourd'hui. Le marché indie, de quoi ça a l'air. Ben, c'est un marché, à mon avis, qui doit être pas mal plus propre aussi, là, moins fait pour les résultats financiers. Là, oui, oui. Mais on va en reparler, c'est sûr. Ils sont avec passion. C'est ça. Ça a-tu l'allure pour le Cast Question? Moi, je pense qu'on va pouvoir s'en aller à une géniale pause musicale. On fait, tu vois, une pause musicale, je vais aller me chercher un autre bien. C'est bon. Fait qu'on se remplit ça, gars. Là, ça devrait être plus long que le dernier, parce que j'ai trouvé c'est quoi le problème. Ouais. La tune a renaît trop longtemps, fait que quand on est arrivé au musical break, ben ouf, on n'avait plus. Puis si advenant que vous voulez continuer avec nous autres, poser des questions, moi, je suis en ligne sur Twitch, fait que continuez à nous parler yes. en bon, attendant. Ben, on revient, guys. See ya!
Bon, ma crime. On pense ça, tôt, la musique ouais. est finie. Ça a l'air que c'est trop fort. Non, sorry, guys. On n'est pas syndiqués. Salut, guys, merci pour me guider vers la musique. C'est le genre de DJ. On aime ça vous faire écouter de la musique. Ouais, fait que là, est-ce qu'on entend encore la musique de fond, guys? Est-ce qu'on entend encore bien? Je pense que oui. Ouais, en tout cas, l'ordinateur va nous dire. Salut les syndicaux. Tout le monde est tombé. Ton micro est ouvert, toi. J'entends rien dans mes speakers. Ouais, le micro est ouvert. T'as-tu remis ta petite tech? Faut te remettre. Non, tout est supposé d'être là. Tout est supposé d'être d'abord. On fait des tests. Est-ce que vous entendez? Ah! Ça vient, c'est pour ça. Ça vient de partir. Ça a l'air que c'est trop fort. On est pas syndiqué. Bon, t'as un. De retour. Je sais pas pourquoi que j'entends pas dans les speakers. Moi, je vais descendre ça parce que ça va faire... Ouais, frère, ferme-nous ça, là. Bon, on passe voilà. ça. Le deuxième bloc, pendant que moi, ça pleure... Ah! Ouais, on entend tout bien. Non, on ne s'achètera pas la nouvelle Xbox pour ton information. Vraiment pas. Non. La Play 4 pour Shenmue. That's it. Okay. Bon. That's it. Ouf! Il fait pas chaud, gang. Il fait pas chaud. Il fait pas frais. Il fait très chaud. Fait que là, deuxième bloc, des moments qui nous ont marqués, mais traumatisants. Traumatisants dans des jeux vidéo. Violence, n'importe quoi. Marquant. Moi, c'est un moment, ça va être traumatisant. J'avais pas dormi une nuit. N'importe quoi. Ok, c'est vraiment traumatisant. C'est bon, ok. Parce qu'il faut savoir où est-ce qu'on s'en va, là. Ouais. Précisément, là. Oui, ben, c'est qui start ça? Moi, je commence. Moi, je commencerai. Commence-nous ça, mon cher Yvon. On est à l'aide de la Play 1. La Play 1 vient de commencer. OK. Puis, on est dans le sous-sol d'un de mes amis. Il a été dans le dépanneur où est-ce qu'il y avait des nouveaux jeux de Play 1. Puis, il nous met dans la Play Resident Evil 1. Ouais. OK. Resident Evil 1, on est en 95, on n'a pas connu ça vraiment. Non, c'est nouveau. C'était un jeu d'horreur avec une ambiance totalement incroyable. Ouais. Il y avait une cinématique en plus avec du vrai monde qui se faisait courir après par des chiens. T'sais. On était là, c'est malade, tu sais. Puis on rentre justement, on se promène, puis on prend un corridor avec des autres sortes d'angles de caméra, plutôt vieux cinéma. C'est ça qui était plaisant, c'est l'ambiance était vraiment axée, c'était vraiment un point important. Puis là on avance, il y a des grosses vitrines sur le côté, puis jump scare. Le chien sort de la vitre. Je vous niaise pas, pour moi le troisième voisin nous a entendu. Puis vraiment, c'est terrible. Ça m'a marqué. C'est vraiment là, wow. C'est tout le monde. Le monde a eu le saut. Ah oui, absolument. Tout le monde a eu le saut de ça. Si tu n'avais pas entendu parler, tu chiais dans tes shorts. C'était l'enfer. Mais moi, il y avait un de mes amis qui avait Resident Evil quand il était jeune. Puis il avait son Resident Evil avait été confisqué. Ça était plus capable de dormir. Ah ouais, c'est clair. J'avais eu de la misère à dormir. Sûr qu'aujourd'hui, je remettrais ça là-dedans. Puis, tabarnak, je suis pas mal sûr que ça serait palpable. Là, ça serait... Ouais, faudrait que tu rejoues, je pense, un remix HD pour vraiment avoir. On a fait un petit comment. Okay. Ouais, non, ben, il y a vraiment bon qui allait. Qui m'a volé, en fin de compte, mon idée. C'est quoi? Tu sais, quand que j'ai qu'il y avait encore des bons jeux récents. C'est l'intro de Last of Us. Ok. Vraiment, vraiment bon. Tu as tout à fait raison là-dessus. Si vous avez jamais joué à Last of Us, non. Il faut que vous puissiez jouer juste pour les 20 premières minutes. Ok. C'est un Play 4, C'est un Play 4 aussi. Ok. Mais Last of Us, ça prouve encore qu'un jeu peut avoir une ambiance totalement démentielle. Puis que, en plus de ça, il peut avoir une histoire excessivement deep. Ok. Puis l'intro de Last of Us, quand j'ai joué à ça en 2013, ça m'a donné exactement le même feeling que quand j'ai joué à Resident Evil en 2015. Ah, c'est bon, ça. Fait que tu sais, pour vous dire, cool. Même dans un écart de 18 ans,
Oui, ça prend beaucoup d'années avant que ça puisse se reproduire, mais encore là, il y a des compagnies qui veulent faire une différence. Puis Naughty Dog, ça en est une encore aujourd'hui que je respecte énormément. Naughty Dog ont souvent Ah, ceux qui nous écoutent, jouez à Last of Us, vous n'avez pas le choix. Sûrement pas grand monde à part nous autres. Ouais. Ou qui n'a pas joué à Last of Us, on va se le dire. C'est un chef-d'œuvre, vraiment, là. Puis c'est malade. Moi, en tout cas. Je vous dis rien parce que je veux que vous puissiez avoir la chance de jouer. Wonder doit être d'accord avec ça. Je ne sais pas s'il a commenté. Non, malheureusement, Wonder ne l'a pas commenté, mais. Il y a beaucoup de monde, genre, qui parle un peu justement de. De Resident Evil. Fait que... Ouais, Resident, qui fait très peur. Le 2, moi, je m'avais traumatisé un petit peu, mais c'est pas de ça que je vais parler. Chrono pis ses fins boubou les petits bébés. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, on revient encore sur Chrono Trigger avec ses tocs là. Il y a Jonas qui peut nous parler de Parasitive. Parasitive, c'est quoi? C'est de la merde! Ah, fin de merde! Ouais, mais tout mauvais game design! Tu tiques trop là-dessus. C'est ça. Un RPG qui t'oublie genre à te sauver en cinématique, sinon il tue après un combat de genre 20 minutes. Je m'excuse, même pas de plus que 20 minutes. Ouais, il y avait 5 forces. Je m'excuse, mauvais game. La fin, là, t'as joué pendant 18 heures, puis t'as 5 minutes où t'as bugué. Balaye du revers de la main. Pouf, parasite. Pouf, ça marche. T'as rien qu'à designer ton jeu mieux que ça. Ouais, c'est bon pour pas parasite. Le jeu est bon, mais il est un petit peu broken. C'est un beau style pour vrai avec Resident Evil. Là. Il avait mixé les côtés RPG et les côtés horreur. C'était quelque chose de bien à l'époque. Ça, je suis bien d'accord avec tout. Tu vas générer de la haine un peu. Là. Non, justement. Ben, en tout cas, vraiment bon. Je suis pas sûr des dates là, pour Resident Evil, mais ça fait très longtemps, puis c'était génial. Puis jouer à Last of Us. Resident Evil, ça a sorti, hey boy. 95. Dans le coin. Puis là, il y a plus un sorti. 95 au Japon. Dans la 5e année, quand en fait, tu t'en quelle année, ça? Tu t'en souviens, c'est pas mon cher exemple. Allez-y, dites-nous à votre tour. Veux-tu y aller? On va finir ça avec mes gros. Bonsoir à Simon Lafontaine, d'ailleurs. Ok, bon, ben moi, je vais y aller. Ouais, bonsoir aux nouvelles arrivées. Moi, j'ai une couple de moments traumatisants. Je vais peut-être parler de tout. Là, ça va voir comment ça roule, parce que. On va voir ça. Mon premier. Ça l'a été, il faut que je vous fasse revenir dans le temps que j'avais peut-être en 99, j'avais quel âge? J'avais 10 ans. J'avais 10 ans, je jouais à Zelda Ocarina of Time. Vous savez, Zelda Ocarina of Time, le mode est vraiment genre léger, c'est upbeat, c'est le fun. Tu passes les trois premières pierres quand t'es petit, y'a rien de traumatisant là-dedans. Hein. Tout était beau, moi je jouais à Zelda, c'était up. En fait, c'est même pas les trois premières, c'est juste le premier. Parce que aussitôt que tu arrives après le premier temple, faut que tu ailles chercher une chanson, puis là, ils t'envoient dans le cimetière. Ok. Puis dans le cimetière, il y a les zombies, les Red Dead. Ils faisaient des bruits, là. Oh, man! C'est vrai. Les bruits, les petits bruits stridents de femmes, puis ils te gèlent. Ouais. J'avais peur, je te mens pas, j'avais peur. C'est vrai que c'était. J'étais littéralement frigorifié à chaque fois que je rentrais là-bas. Je détestais ça. J'ai le temple de Shadow à cause de ça, cette partie-là, quand j'avais 10 ans, là, j'aimais pas ça. Ça m'a vraiment traumatisé, j'ai trouvé ça out of place, ça avait pas rapport. C'est vrai que ça n'a pas rapport. C'est comme trop, c'est comme. Ça avait vraiment pas rapport. Puis une autre affaire, justement, je vois qu'il y avait pas. Ah non, ça je peux pas trop en parler. Mais gars, je vais le dire sans spoiler. Je vais dire que la fin de Earthbound, c'est un moment traumatisant et fucked up. Ok. Fuck. Mais dis-nous rien, mais c'est fucké. T'arrives, oh man, tu t'en vas dans des places que t'as pas idée où tu vas. Peux-tu juste dire où tu vas pour te battre? Non. Non, il faut pas. Mais, spoiler alert, mais. Ah, maudit. Puis, une autre affaire qui m'a traumatisé aussi, vite de même, Luigi's Mansion. Ouais. Ça, c'est intéressant comme jeu. Ben, c'était hot comme jeu, y'a rien de trop malade qui fait peur là-dedans. À part un moment donné, quand t'arrives dans le grenier, ça va dans le grenier de la mansion, puis t'arrives dans un cinématique. Puis la caméra, à peine, vers le... C'est quoi peine en français? La caméra descend, pouf, pivote, elle monte vers... elle pivote vers le haut. Fait que là, on voit Luigi un peu vers le haut. La cam est en bas, fait qu'on voit demain. Et tu vois, en arrière de Luigi, une réflexion. On voit l'ombre de Luigi, mais on dirait qu'il est comme ça, puis qu'il est pendu au plafond. Oh, et tu vois Luigi pendu, puis c'est un... Il paraît que c'est un glitch visuel, il y a beaucoup de... C'est creepy, là. Ouais. Avec la... Aussitôt que l'éclair frappe, pendant une fraction de seconde, tu vois Luigi pendu au plafond. Puis moi je me souviens quand j'ai vu ça, j'ai fait
Wow, j'espère que Nintendo n'ont pas fait exprès. C'est délicat, là, jouer là-dessus. Ouais, c'est délicat, certain. Mais il y a beaucoup d'affaires dans Nintendo qui fait. C'est comme Walt Disney avec les affaires sexuelles, là. Walt Disney avec les affaires sexuelles ou les chants musulmans dans le temple du feu de Zelda. Dans la première version, il y avait des chants musulmans, ça fait un ravage, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mauvaise idée, là, mais c'est des affaires que Nintendo l'ont échappé un peu. Ça, je dirais pas que c'est traumatisant, c'est plus what the fuck, genre. Bonsoir à Door107. Bonsoir. Fait que moi, c'est pas mal ça, pour vrai, là, vite. J'en ai plein, pareil, okay. des moments qui m'ont traumatisé, là. Qui viennent m'en revenir, mais on va voir. Le moment le plus traumatisant, c'est un traumatisme pour vrai, là, ça vient me hanter encore quasiment. Je pense que je sais. Fantasmagoria. Oh! Ah. C'est excellent, c'est vrai. Ah, mais c'est Chris qui a des affaires fucked up là-dedans. C'est creepy en tabac. Fucked up. C'était une histoire, j'étais jeune quand j'ai joué à ça. Ma mère, elle a vu qu'on jouait à ça, pour moi, elle nous aurait pas donné le droit. Non, vraiment. On te l'aurait enlevé. C'est un jeu qui était en FMV, en full motion vidéo, fait que c'était des vrais humains. Fait que là-dedans, t'as plein de belles scènes de torture, misogyne, c'est de toute beauté. C'était hardcore. Moi, je suis pas sûr que ça serait encore accepté de nouveau. Je pense pas. Non. Moi, la première scène qui m'avait traumatisé, c'était la fameuse scène que la fille a comme une entonnoir dans la bouche. Puis là, elle se fait rentrer des viscères de cochon jusqu'à temps qu'elle étouffe. C'est fou ce jeu-là. C'est violent. J'en ai fait une review, ça m'a traumatisé quand j'ai. Mais ça, puis là, regarde, j'ai joué à ça, puis ce soir-là, j'étais. J'ai pas dormi. C'était trop, là. Je disais, ça a pas d'allure, ces histoires-là. Puis après ça, ben là, je sais pas si t'as entendu parler de l'ouverture du CD5 de Fantasmagoria. Il y a vraiment bon qui parle qu'il y aurait un glitch pour faire chier les tripes de la fille à Fantasmagoria. C'est WonderK98 qui nous écrit ça. Oh, Wonder, mais... il est malade. Hey, c'est fucké. Wonder, arrête de nous bullshitter. C'était comme un Mortal Kombat, les faux sexualités de Nier. Ouais. Mais continue. C'est l'intro du CD5. L'ouverture du CD5, ils ont eu des problèmes aussi quand ils ont. Il y a une scène de viol. La scène de viol. Genre 5 minutes, là. Ça n'a pas de sens, là. Pour vrai, t'écoutes ça, là. Vraiment, rappelle, je l'aimais, ce jeu-là. Puis quand j'arrivais à cette scène-là, ben, je laissais l'ordinateur virer tout ça. Ta mère de passer. Ma mère, elle faisait la vaisselle, puis il y avait une scène, mon gars, tu sais. C'est tordu. C'est tordu. Puis, tu sais, c'est. C'est déplacé. C'est ça. Puis je pense que ça rajoutait rien au jeu non plus. Ils ont vraiment eu des problèmes. Mais tu sais, je pense que c'était pour choquer le monde aussi. Ouais. Parlez-en bien, parlez-en mal, faut que ça choque. C'est Sierra qui a fait ça? Oui. En quelle année, souvenez-vous, vite demain? 95 encore, ça. C'est-tu avant ou après le rating ESRB? C'est après. C'était 17 ans et plus. C'était 18 ans. C'était mature. Ça m'étonne que ça ait été sorti après le rating de ESRB. Vu qu'il était 18 ans et plus, c'était là. Ça m'étonne. Mais tu sais, le piratage commençait. Ouais. Fait que ça s'est propagé. Probablement. C'est ça qui arrive. C'est un très bon jeu, mais c'est pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. C'est ésotérique. Il y a des esprits là-dedans, mon gars. C'est fucked up comme jeu. Puis c'est quoi? C'est un esprit qui prend possession du gars. Là, le gars est fucked up. C'est un ancien, dans le fond, c'est ça. C'est possédé par l'esprit de l'ancien propriétaire du manoir qui était un gars qui tuait. Il tuait toutes ses servantes et ses fans. C'est ça, c'est un tueur de femmes. Les autres, ben là, c'est un jeune couple qui rachète sa maison-là, puis lui, il revient posséder parce que c'était triste. Là, il essaye de tuer sa femme. Fait que bref, jouez à ça, mais si vous avez des enfants, tenez-les loin de cela. Regardez qu'est-ce que je suis devenu. Si vous voulez pas que votre jeune devienne de même. Il y a un jeu que j'aimerais mentionner, justement, qui m'a marqué un peu. Quoi donc? Manhunt. Vous connaissez Manhunt. Manhunt, on fait consciemment qu'on sait que ça a sorti au Play 2. C'est un Wii, il me semble, sur Xbox 1 aussi, le premier Xbox. Je connais pas. Manhunt? C'est l'histoire, en fin de compte, c'est quoi? C'est un gars, acteur, qui fait des scènes de violence au cinéma. C'est fucké, mais moi, c'est sur la version Wii. La version Wii. Il y a ça, oui. Ah! Qu'est-ce qui était vraiment traumatisant, c'est que t'avais la manette, tu faisais des motions, mais
dans la version Wii, tu faisais des motions à poignarder. Tu stabais. Voyons, tu stabais le monde. C'est donc bien cool. T'es là, pis fuck! Mais y'a des jeunes qui osent à ça. T'es là, y'a des jeunes qui osent à stabber le monde avec la manette. T'es là, pis voyons que c'est pas trop fucké. J'ai vu des jeux plus fucked up avec l'utilisation de la manette. Ouais, ouais. On va tenir loin des détails. C'est pour... pour les doux. C'est pas ça. C'est pas pour les doux, c'est le cas de le dire. Ça conditionne un petit peu le monde. Là. Tu fais le move pis tout. Là. Ah oui, c'est ça. Tu... lui, c'était abus, c'était normal. Ouais, 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 oui. Hey, hey. Alors, c'est assez. Ça a c'est bon poussé sens. Un peu. À un moment donné, là, c'est bien beau faire du motion, là, mais. Moi, je comprends juste pas pourquoi ça passait sur Nintendo. Nintendo, ils ont d'habitude la réputation d'être vraiment sévère côté censure, surtout dans le temps du NES avec les symboles religieux. Puis là, ils laissent quelqu'un faire le mouvement de stabber du monde. D'après moi, il y a de quoi quelque passer à quelque part. Là. Il y a eu un erreur. Il faut utiliser la Wiimote. Ouais, il fallait. À n'importe quel prix. À n'importe quel prix. Oh, hey, j'ai envie de tomber dans les jeux japonais. T'sais, moi en tout cas ça m'a marqué, ça fait fuck, voyons. Mais t'as-tu joué toi? Ouais, j'ai poignardé quelqu'un. Tu trouvais ça wrong toi là? Tu te disais, ouais, mais c'est quoi que je fais? Non, c'est pas sain. Mais même, tu sais, pour ça il y a des guns aussi. Ouais, mais tu sais, juste, moi c'est vraiment. T'sais, veux pas, on n'est pas des sociopathes, on n'est pas des psychopathes, on n'est pas des tueurs. Fait tu sais, juste faire semblant, j'étais mal à l'aise. Ouais, c'est ça. Ben, c'est fucked up, man. Non, c'est juste pas sain. On va se le dire, là. Mais je serais curieux. C'est weird. Faudrait quand même faire une compilation de tous les moments. Moi, tout, je veux ça. Wrong de même. Je veux jouer. Je serais curieux. Ouais. On prenait ça en note pour un prochain podcast, les jeux wrong. Genre que tu fais, ah non. Pourquoi? Ben, comme les jeux avec des filles en bikini de pas. Moi j'ai les jeux de porn sur Famicom, là, je te niaise pas. C'est atroce. Est-ce qu'on rentre là-dedans? Ou, ouais, non, pas là, là. Est-ce qu'on rentre là-dedans, Galit? Mais, c'est pas mal, excusez. C'est quoi ça, rappeler? De quoi rappeler? Je sais pas, il y a Wonder 98 qui nous dit rappeler. Ça serait un jeu, ça? Je sais pas trop là. Il y avait le Sad Satan, là, des histoires de tout croche là et tout là. Et dans les classiques PS2 sur PS4. Oh ouais, pour de vrai. Comment? Répète-moi donc ça, please. Il y a vraiment bon qui nous dit qu'en fin de compte, Manon serait dans les classiques PS2 en sur plus. PS4. Ah, ouais. Ah! Seigneur, ben avec une console, ouais, pas une console, je veux dire une manette, c'est correct. C'est là, c'est ultra violent, tu sais, c'est pas aussi, mettons, tu sais, quand t'es photo. Tu sais, tout le monde se souvient du Hot Coffee. Ok. Le Hot Coffee à San Andreas. Explique-moi ça, mon cher Yvon. Le Hot Coffee, en fin de compte, c'est que les concepteurs du jeu ont vraiment caché excessivement profond. Mais si tu faisais genre plein de manœuvres différentes dans le jeu, ben, tu sais, au lieu de raccompagner la fille, puis juste de voir, d'entendre des cris de jouissance à la maison, ben, tu rentrais dans la maison, puis tu faisais la scène, puis tu pouvais genre faire des mots, ben, des pitons, là. Des quick time events, là. Quick time events, pour fourrer. Des pitons, puis tu voyais tout, là, t'es là. Ouais. Puis, tu voyais tout, de la belle porn en pixels, les gars, crossez-vous, allez-y. C'est ça. Quand ça me fait penser justement à. Tout quand j'ai joué quand j'étais jeune du Nukem 3D, là. Ouais, c'est ouais. Avec ouais. Ça tout, là. T'sais, ouais, t'es arrivé dans le bord de danse. Ouais, puis tu tirais ton cash, là. Make it rain. Ah oui, ça c'était mon spécial de Noël l'année passée. Shake it, baby. You wanna dance? Shake it, baby. Mais c'était fucké, ça et tout, là. Les filles étaient comme pognées dans des cocons, là. Puis là, tu cliquais dessus, puis ils se faire tuer. Je sais pas si t'avais pogné ça. Il y a WonderK98 qui nous dit que Rappeler, c'est un jeu de viol sur PC. Rappeler? Oh, rape! Okay. Ah, ben ça doit être. Ouais, Ripley. Oh my god, j'ai vu justement, parlant de jeu What the Fuck, le dernier, James and Mike Monday, c'est AVGN, son chum de gars, ils ont joué à un jeu qui s'appelle Who's Your Daddy, qui est ton but, c'est d'empêcher ton bébé de se suicider. Genre, il y a deux personnes, un qui joue le bébé, un qui joue le papa. Puis là, faut que le bébé, son but, c'est de se tuer. Fait que là, mettons, il y a.
Il y a du détergent à terre, il y a des batteries, le bébé mange des batteries, ou il peut se crisser dans la piscine ou se faire brûler. Puis... Fait que là, il faut que le père empêche le bébé de se tuer. Fait que là, tu deviens comme un meilleur père, là, en essayant. Ben non, c'est que c'est un jeu vraiment multiplayer. À un moment donné, la personne est le bébé, la personne est le père, quand vous perdez, vous switchez. Puis là, genre, si tu réussis à t'empêcher le bébé de se suicider pendant, je pense, c'est 2 minutes, le père gagne. Si le bébé se tue, ben le bébé gagne. C'est drôle en calvaire. Allez voir James and Mike Monday. Bonsoir à Lord Fodder puis Deck Space. Bonsoir. Bonjour, guys. Bonjour, merci d'être là ce soir. Justement, marquez-nous vos commentaires aussi. On aime bien ça. Ouais, les gars qui arrivent à la fin du podcast. Non, ça. Okay. Mais tu sais, juste un jeu de viol. Tu sais, ça, c'est bien. Ça, c'est wrong. Weird. C'est juste wrong. Ouais. Tu fais pas ça. Et le bébé qui se peut suicider, c'est-tu wrong? C'est une thématique bizarre. C'est comme un bébé qui meurt. Je pense que c'est pas bien vu dans la société. C'est ça. Fait que c'est des jeux vraiment bizarres. Mais moi, c'est moins des affaires hardcore un peu. Moi, c'est plus genre mon innocence qui a fait. J'étais jeune là que je vous parle là. C'est ça des moments que j'étais jeune. Tu sais, moi pis Simon, je vous dirais, la dernière fois que j'ai eu des moments vraiment fuck, c'est quand j'ai joué au dernier Doom. Ok. Le dernier Doom, là, sacrement, c'est violent. Ouais, c'est violent. Ouais. C'est violent, ça a un spot Christ à ça. Tu penses que c'est exagéré ou. Bon, pas exagéré. Non, parce que c'est du Doom. C'est ça. C'est jamais assez de violence en Doom. C'est la série Doom. C'est les autres qui ont inventé ça. S'il n'y aurait pas, s'il n'y aurait pas eu de violence dans le jeu Doom, on aurait tout fait. What the fuck, t'sais. Ouais, le monde aurait chialé, puis avec raison. Mais tu sais, le fait que t'arraches les yeux, tu y fais bouffer, tu prends la tête, t'as casse en deux. Ouais. Tu y écrases la tête à terre, tu sais, c'est. C'est excessif. Mmh. On a fait un Twitch de ça, moi et Simon, puis on riait. Versus le nombre de façons qu'on pouvait tuer le monde, c'était affreux. Mais c'est un sacrement bon jeu. C'est une pièce géniale. C'est vrai. Moi, j'ai pas trop joué, mais j'écoute un YouTuber qui a tout le temps ça en gameplay, là, les Fees Here. Moi, j'écoute ça. Parce que c'est un YouTuber genre viral, c'est en ça. Okay. Il montre tout le temps ce gameplay-là, puis il est calé, ça, c'est viral. Hey! Ouais, t'as dit tout qu'il y a du monde qui ont travaillé là-dessus, là, des jours et des minutes, là, alors qu'est-ce qu'on va faire? Faut que j'y déchire la tête de même, là, la physique, la tête qui déchire et comme. Exactement. Là, il y a Gilles qui dit vraiment des jokes déplacés qu'on ne dira pas. Ah, okay, je veux voir ça! Non, on ne dira pas ça sur le podcast. Ah, sur l'audio, c'est que dans le stream, ça ne nous dérange pas. Mais on sait peut-être pas l'avoir sur SoundCloud. Ouais, c'est ça, exactement. Mais lâchez-vous là sur le Twitch, on s'en calme. Pour ceux-là qui veulent le lire, ben désolé. Ouais, on s'en sac sur le Twitch, c'est pas ça l'important. Ouais. Ici, on faut s'amuser sur le Twitch, il y a des affaires aussi qui sont coupées. Ouais. Yeah. Mais qu'est-ce qu'on jaserait la semaine prochaine? Bombardez-nous, ce serait cool. Ouais, lâchez-nous des suggestions. T'sais, nous autres, notre but, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va parler en finissant notre. Justement, en finissant notre Twitch. Pour la semaine d'après. Fait que comme ça, on n'a pas besoin de se casser la tête non plus. Puis, tu sais, vous pouvez sûrement avoir des sujets hyper intéressants. Puis, finale Fantasy, ça serait sûrement ça. Ça serait-tu le temps de parler des finales, guys? Conseillez-nous. Ça serait-tu le temps? Nintendo Power, c'est intéressant ça. Parler de Nintendo jeu Power. Jeu What the Fuck. Ok. Ben, c'est un. Moi, je l'ai un peu inclus là-dedans. Ouais. Moi, le traumatisme a souvent été du What the Fuck. Donc, moi, ça se répéterait peut-être. Je peux en trouver d'autres, là, mais. Au pire, aimeriez-vous, mettons, moi j'avais pensé qu'on aurait pu faire aussi la recommandation de la semaine. Ça va être moins de mourir, mais Criff, si le monde aime ça. Recommander un jeu. Ok, n'importe quoi, mais pas. Ou bien une soundtrack. Tu sais, j'aimerais ça, genre, qu'on amène un. Mighty No. 9 et son échec. God, faut parler de ça. L'échec. Ouais, je pense que. L'échec Mighty No. 9 et on le scam. De ça. C'est un arnaque, man. Puis, l'importance du Nintendo Power. Pas juste, genre, le Nintendo Power. L'importance que ça l'a eu dans l'histoire du gaming. Le marquage de l'histoire. C'est ça. Nintendo c'est Power. Très important. Ouais, c'est merci, Gilles. Justement, tu dois avoir vu les nombreux. Ah, ben, on les voit pas tant que ça à cause du micro, c'est triste.
Voyons, Max a vraiment plein de posters. Ouais, en fait, il faut que je spécifie là-dessus, c'est les Nintendo Power à Mr. Mick. Et à Isid, vous les voyez pas, mais j'ai aussi lui de eux autres de Matt, le Earthbound Hater, qui m'a tout laissé ses Nintendo Power. Fait que je te salue, puis merci beaucoup. Ça sert à de quoi, puis le monde les voit, là. Ouais. Ils sont mieux que dans leur revue. Ouais. Fait que on les voit tout le temps, puis on les regarde. Mais non, ça serait... Merci Gilles pour justement les sujets, vraiment, c'est très intéressant. Puis t'as été le seul à nous en envoyer. Fait merci. Merci beaucoup. Mais on n'avait pas eu quelqu'un d'autre là. Que... Je what the fuck. Il y a Best NES Soundtrack aussi qui est, qui est intéressant. Ben ça, les soundtracks, je peux parler beaucoup de ça. Puis justement, il faudrait que je fasse la précision à chaque podcast des tunes qu'on a entendues. Là, je vous ai spécifié eux autres de fond, mais j'ai même pas spécifié pendant le music break qu'est-ce qu'on avait. Ouais, c'est parce que c'est spécial. En tabarouette, c'était de la musique de Link Faces of Evil, qui est réputée pour être genre les pires Zelda ever, les Zelda au CDI. On avait de la musique de ça pour eux autres dans le SoundCloud. Moi, je vais copier ça. Pour que vous le sachiez, c'est très important de la bonne musique, mais un jeu de brouette. Ben, c'était qualité CD. Là, mais il y a des très bonnes tunes. J'ai pris le temps de l'écouter aujourd'hui en me baignant. Okay. Là. C'était vraiment hot. Vraiment. Puis je tiens à préciser aussi pour ceux-là justement que j'ai jamais vu dans la liste, merci d'être là. Puis pèsez sur le petit cœur aussi pour nous suivre. On aime bien ça. Ça nous ça paraît pas, mais ça nous encourage beaucoup à continuer. On est rendu qu'une coupe. C'est tellement un petit clic qui fait la différence là. Puis ça nous donne du momentum à continuer. C'est comme un subscribe sur YouTube, mais le monde ne savent pas à quel point c'est important quand on se subscribe et surtout qu'ils regardent les vidéos longtemps sur YouTube. Exactement. Fait que, mais une change de musique, on va dormir. Je sais pas, j'ai pas le contrôle. C'est en fait, là, on doit être rendu à Mario 64. Ça doit être sûrement Dry Dock. Il dit que ça serait la fin de Mario Bros 2. On dirait que ça sonne ça. D'après moi, on est rendu dans la toune Dry Dock de Mario 64. Mais je peux pas le contrôler, guys. C'est tout dans la page principale. J'ai juste trois soundtracks, un en arrière de l'autre. Okay. Fait que je m'excuse si vous trouvez ça plus downant, mais moi quand je l'ai écouté, je trouvais ça bon. C'est sûr. Mais hey, justement, faut que je rajoute un point. J'aimerais que le monde, si ça vous tente, vous donniez des recommandations pour les soundtracks qu'on met en fond. C'est quoi les musiques que vous aimiez? Vous vouliez parler de soundtrack, là? Donnez-nous des tunes que vous aimez. Pas rien que des tunes, mais des soundtracks au complet. Comme là, on en a trois, là, ça en prend trois autres. Si vous pouvez faire des suggestions, ça serait bien apprécié. Et pour les Might Break aussi. Je vois que sur le Vania 4 là, qui va être là la prochaine semaine, j'imagine. Ouais, parce que je pense pas qu'on l'entende là. Je pense. Ouais, fait que je vais mettre Castlevania 4 là, la prochaine semaine, puis il me manquerait deux jeux. Si vous voulez faire des suggestions là, on va les prendre tout de suite. Okay. Ouais, présentement ils disent que la musique est trop smooth, mais en ce qu'on va. Justement, si vous faites des suggestions, ben, la musique va être à votre goût. C'est ça. Ouais, il y en a un qui dit Arch Enemy Nemesis. Là, on va pogner des strikes. On parle de jeux vidéo. Ça prend le jeu des soundtracks de jeux. Mais normalement, Chris, il doit avoir peut-être 2-3 tunes down de Mario 64. On doit être dans le pire bout. Parce que normalement, c'est upbeat là, les tunes de Mario. Là. Ça n'a pas d'allure que ça soit. La soundtrack de Doom, ça serait mort. Sonic 2, ça peut être drôle. Sonic 2, mais on s'entend dessus pour Sonic 2 puis Doom. Dans le fond, on va pouvoir en prendre une des deux. Castlevania 4, on l'a dit. On va voir Castlevania puis Sonic 2. Sonic 2, c'est bon. Puis on tient Doom pour la prochaine. On va tenir Doom. Doom, ça va être arcade. C'est bon. Yeah, Doom, ça doit être des vrais. C'est quoi, c'est du métal? C'est du gros métal. Mais semble que c'est pas très long comme soundtrack. Fait ce que je vais faire, je vais le mélanger avec peut-être Lords of Thunder aussi. Sega CD. Fait qu'on va avoir deux soundtracks métal ensemble. On va garder ça en... C'est bon. Lords of Thunder au Sega CD, c'est de la bombe. Je l'ai déjà dit et je le redis. Jouez à ça. Je pense que c'était ça. Ouais. C'est pas mal ça. Vous avez-tu des questions? Vous avez-tu... C'est pas beau ça comme... Avez-vous-tu des questions? Avez-vous des questions? On va checker ça avant que ça finisse, sinon on va vous dire yo, on va vous quitter avec un petit deep podcast. C'est le repeat. Il y a Jonas et Pigé qui disent plein de faits divers. On va mettre la toune de bubble. Je vais regarder ça. Je vais regarder ça en finissant tantôt. Fait que, guys, on va se laisser. On va vous remercier beaucoup pour ce podcast. C'était malade. C'est fun. La participation aussi. La participation, là, sérieusement, je vous lève mon chapeau. Merci. C'est cool. C'est cool. C'est vraiment parce que cool. Ça, comme je vous dis, ça paraît tellement banal, mais ça nous encourage énormément. Fait que, merci bien. Ouais, fait qu'on va vous quitter avec le petit Deep Podcast, je pense, à cet épisode 14. Vous pouvez rester là pour l'écouter pendant un bout, mais qu'on voit qu'il n'y a plus personne, je vais le fermer.
Puis ça, ça va être coupé pour l'audio. Fait que merci beaucoup, guys. On se repogne pour un prochain. C'est pas pour les deux. C'est merci pas pour les deux. Bye bye. See ya. Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du D-Podcast. Et Chris, oui, ça fait tellement longtemps. Je pense que ça fait déjà un an que le dernier épisode est sorti. Je peux pas vraiment me rappeler, à moins que ça soit en automne. Mais bref, le D-Podcast est de retour régulièrement, je pense pas. Mais je vais essayer d'en faire le plus possible. Je suis en fin de session, mais j'aime ça trouver quand je peux du temps pour faire ça. Donc, on va partir ça aujourd'hui. J'ai un bloc de Sega pour vous. Sega, toute console confondue. On s'en tabarnak, on joue du Sega. J'ai un bloc arcade. J'ai aussi pour vous un bloc de console CD, en particulier TurboGrafx CD, PC Engine CD et Sega CD que je joue beaucoup ces temps-ci avec mon arcade. Et on a aussi le retour du bloc demande. Enfin, j'ai eu des demandes pour vous, donc on part ça tout de suite. Pas le temps de niaiser, tabarnak. On écoute en ce moment une musique de fond de Snatcher sur Sega CD. Vous écoutez le D-Podcast épisode 14. Let's go!